Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Quoi? Mais c'est encore vous? Bouge pas, demi-portion avariée. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis très occupé avec le retour du maître. Je dois faire reluire ses cornues et lustrer ses reliures de cuir. Se faire reluire la cornue et se faire lustrer la reliure. Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me semble un peu tendancieux. À propos, ne devriez-vous pas être nu? J'ai des vêtements dans tout le donjon. La vie d'un intendant est pleine de dangers. Bon, alors vous voulez quoi? On n'a pas besoin de toi, bouffon verdâtre! On a déjà tout découvert! Ouais, on va t'interroger, mais sans te faire parler. Mais ça n'a pas de sens! Si, torturer un gobelin, ça a toujours du sens. Mais je ne suis qu'un demi-gobelin! On pourrait quand même lui demander si c'est la moitié du haut ou la moitié du bas. La morale réprouve cette scène violente. Bon, c'est fini? Ah, ça soulage. Maintenant, occupons-nous de Zangdar. Revax à son compte. Non, non, pitié! C'est le laboratoire de Zangdar. C'est le gourbi d'un cerveau malade. Je parie qu'il ne respecte pas les prescriptions légales en matière de recherche magique. Et qu'en plus, il utilise de la viande avariée. Et voilà, je le savais. Rien n'est dû au hasard. Oui, vas-y. Les arbres.
tirer sur le bon loquet. Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? Il y a une énigme sur ce mur. Est-ce qu'on essaie de la résoudre ou est-ce qu'on passe notre chemin ? Pourquoi pas ? Allons-y ! Je suis très léger, mais aucun guerrier ne peut me porter. Et pourtant, je peux porter le plus lourd des dragons. Qui suis-je ? Ça doit être l'air. Le dragon glisse dessus. Et toi, tu embrasses ! Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Alors, que je mette la carte à jour. La porte de la sortie n'est plus condamnée par un sceau. Ça veut dire qu'on peut se barrer de ce donjon pourri. Une idée qui n'est pas très héroïque. Ouais, mais bon, on a déjà ramassé pas mal d'oseille. Quoi ? Mais t'es malade ! On va pas partir maintenant ! Fuir, c'est pour les lâches. Ou les personnes motivées par un instinct de survie rationnel. Non, fuir, c'est pour les lâches. Surtout que si on fuit, on ne validera pas nos XP et on risque de redevenir niveau 1. Oh ouais, non ! Moi, je veux terminer ce donjon et être héroïque. Et riche. Bon, dans ce cas, on reste ici. Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? Galère. Les trois sorciers ne sont plus là. Et ils sont partis.
Il va nous falloir des jours pour avoir toutes les taches de gras et nous débarrasser des odeurs de fromage. Ils vous ont dit s'ils allaient revenir bientôt? Non. Un étrange rôdeur est venu leur parler et puis ils sont levés d'un bond, jetant un sac d'or pour paiement de leur débauche fromagère. Nous n'avons plus une croûte dans la réserve. Un gouda n'a plus, miam miam, gouda clacos. Bizarre. Bon, en tout cas, pas d'aide de leur part cette fois. Tant mieux, on n'aura rien à payer comme ça. Appartement privé de Zangdar, fichez le camp ou soyez réduit en bouillie pour Morschleg. On doit pouvoir entrer maintenant, on a découvert assez de choses pour défoncer ce sorcier pourri. Allez, l'heure est venue d'affronter Zangdar et de nous saisir de la statuette de Dégueule du Gras. Non, Gladol fera. On va faire tomber le glaive de la justice sur ce maudit sorcier. On entre, on lui casse le front sur le coin de sa table et on termine ce boulot. Les sorciers maléfiques ne méritent que la mort. Vas-y, voleur, fais ton truc. Ouvre la porte. Certes. Udaf Talum Gulda, on a copain. Il dit qu'il a encore un mauvais pressentiment. Je me demandais quand vous alliez paraître devant moi. Zangdar, tu es fait comme un rat. Mais non, il a pas de petite queue rose. Un pas de plus, et vous êtes mort. Bon, on vient chercher la 12e statuette de Gladolfera. Oui, voilà, la 12e statuette de ce qu'elle vient de dire. Donne-la-nous. Viens la chercher, petit rempailleur de chaises arrogant. Vous ne pouvez rien contre moi. Ha, Revex nous a tout balancé. Ouais, on n'a même pas eu besoin de le frapper avant. Oh, peu importe, je vais vous massacrer et ensuite c'est vous que je ferai empailler. Tu l'auras voulu, Zangdar. Thank you.
Bien, vous l'aurez voulu. Vous ne m'aurez pas. Ça fait un drôle de bruit. Non, non, comment est-ce possible? N'approche pas trop quand même. Approche pas trop près. Zangdar va frapper. Aïe. Vous ne mourrez pas. Ne jamais me tourner le dos. Tu m'attraperas pas, nananère. Ah, je me sens pas bien. Dégage, t'es sur mon chemin. La 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 la.
moi, je vous déteste. Accélère le mouvement, Larban. Ça fait un drôle de bruit. Comment est-ce possible? Sans bruit. Aïe ! Enculé, on dirait. Rivastak! Zapivili! Salut. Bien frappé. Vous ne m'aurez pas. La 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 la. Ça va mieux. Allez.
Yato. Archetrayuk. C'est pas fichu de porter une attaque. La 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 la. Ça fait un drôle de bruit. Kaed Jaru. Non, non, comment est-ce possible? Ça lui fera les pieds. Aïe! Le problème du gobelin, c'est qu'il est toujours au pluriel. Où suis-je? Aïe, les nains n'ont jamais mal. Je suis là. Non, je précise. Parfois, on ne me remarque pas. Tu la vois, ma capuche? Comment on leur a défoncé la clavicule? Ah, d'accord, d'accord. Prenez cette connerie de statuette dans le placard avec les autres. Les autres statuettes? J'ai la dernière statuette de Spoolof.
La statuette de Ravsgavat, l'idole maudite du temple de Wismal. Il y a un exemplaire de chaque statuette de prophétie. Évidemment, c'est pour faire venir les aventuriers. Il faut bien vivre. Gladol fera. C'est la verte. Attendez. De la merde, on n'attend rien. Boucle-la. Udaftalunga. Comment ça, encore un mauvais pressentiment? Voici les statues. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était? Et galère. Ça ressemble à un échec critique. Il a pris un clapteur de Mazrock en pleine poire. Mais où est le voleur? C'est le petit tas de cendres devant l'armoire. Mais alors il est mort? Il a été brûlé au 28e degré. Ça lui apprendra à faire le malin. Après toutes ces aventures, après tout ce temps passé à parcourir le donjon, il disparaît comme un moins que rien. Et voilà, ça chiale encore. Zangdar, c'est de ta faute. Ah non, j'ai essayé de vous prévenir, mais vous ne m'avez pas écouté. Tu vas payer pour ça. Pas si vite, chers et improbables amis. Quoi? L'autre bouffon? Personne ne va plus tuer personne. Mais vous voulez quoi? Mon travail est de restaurer une ligne temporelle stable, aussi proche que possible de ce qui se serait passé sans Guignax. Du coup, il faut corriger deux ou trois choses. Vous allez ressusciter le voleur? Pas vraiment. Son décès est plutôt de nature à nous arranger. Non, en revanche, vous avez beaucoup trop progressé en niveau. Quoi? Mais on en a pas fait des ronds de chapeau dans ce donjon! Ouais, même que j'avais trouvé chaussettes! On a tué des monstres! Peu importe. C'est grâce à une boucle temporelle non prévue par les règlements de progression des niveaux d'aventuriers. C'est assimilable à de l'exploitation du jeu. Du coup, je dois vous rétrograder. Quoi? Non mais va mourir! De la merde! C'est scandaleux! En outre, vous avez bien trop d'or et d'objets magiques. Si touche à mon or, je lui pulvérise le sternum. Plus... bouger! Ah, punaise, c'est sorcier... Chrome! Et merde! Mais que... que faites-vous... là? Il est apparu que nous avions un solde négatif envers la caisse des donjons. Une sombre histoire de royalties non réglée depuis quelques décennies. Une peccadille à 800 000 pièces d'or. La caisse des donjons nous tient par les roubignoles, y a rien de personnel. Je pourrais vous la faire lyrique, mais j'ai pas le cœur. Du coup, si on refuse de l'aider, plus de fromage. Bah alors le choix est vite fait. On ne pourrait pas les jeter dans mes oubliettes? Ne faites pas le malin, Zangdar. Ils nous ont quand même sauvés et ont gagné contre vous à la régulière. Ils vont partir avec la statuette. Non, je me vengerai cruellement. Bien. Et pour faire bonne mesure, je vais faire oublier à tout le monde ce qui s'est passé. Un bon sort de vidage de mémoire et cette malencontreuse aventure rejoindra le néant. Ça va aller entre les oreilles de l'elfe? Techno! Face d'endive! Ah, et puis j'avais trouvé chaussettes! Ah, enfin terminé. Au fait, si on pouvait aussi vider la mémoire du joueur, on améliorerait la rejouabilité du jeu, non? Trop cool, j'appelle le marketing. Mais quand même, j'avais trouvé chaussettes! Hé, hey, chaussettes! Chaussettes! Et galère! Chaussettes! 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 Chaussettes!